Alors le bend, ça consiste à tendre une corde pour produire un son plus aigu que la note de base. Le plus simple, c'est de commencer en ajoutant un demi-ton, donc la valeur d'une case. On fait passer cette note de cette valeur à celle-ci. Donc on va pousser vers le haut. Donc il y a une force à ajuster pour se rapprocher au mieux de la valeur du demi-ton. On peut aussi tendre la corde en tirant vers le bas. C'est souvent plus facile d'ailleurs, parce qu'il est plus facile de tirer, c'est l'articulation normale finalement du doigt, de tirer la corde vers le bas que de pousser vers le haut, où en plus on risque se cogner avec se cogner les cordes graves, accrocher l'ongle dedans, enfin bref, c'est pas forcément le mieux. Donc à vous de voir ce qui vous convient. On peut aussi, quand l'annulaire fatigue, ou qu'il n'est pas assez entraîné, ou qu'on veut tendre les cordes beaucoup plus haut, on peut aussi se faire aider des autres doigts pour pousser ou tirer la corde avec une plus grande force et une plus grande précision. Donc là, on a vu le bend d'un demi-ton, donc on passe d'une case à l'autre, en quelque sorte, mais par ce mouvement. On peut donc aussi ajouter un ton, si on veut, c'est-à-dire la valeur de deux cases, on passe de là à là. Alors, cette fois, il faudra pousser un peu plus pour tendre davantage la corde et obtenir quelque chose qui se rapproche au mieux de cette note. Vers le bas. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Évidemment, plus on ajoute de tons, plus ça devient difficile. Alors on peut ajouter trois cases, un ton et demi, passer de là à là. Donc il faut attendre encore plus fort. Cette fois, vous trouverez certainement que c'est plus facile en tirant vers le bas, ça dépend de l'endroit où on le fait, mais... Alors, on peut aussi partir de la note déjà tendue et remonter. Ça, c'est le bend inversé, donc. Et on peut aussi avoir une alternance de tirer, relâcher, bend, release, comme on dit. Alors, on va attendre. On peut même le faire plusieurs fois. Si on le fait beaucoup de fois rapidement, ça devient un vibrato blues. Thank you.